Et bonsoir à toutes et à tous, on se retrouve sur notre Let's Play Immortal Phoenix Rising, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super, écoutez, on se retrouve pour le 48e épisode. Nous sommes face à la montagne de Typhon que nous devions escalader. Je vois qu'il y a des choses et tout à récupérer, je vois qu'il y a des escaliers aussi. Je vous propose c'est d'y aller, tout simplement. Je suis revenu en fait là, on avait été TP la dernière fois. Je me disais que c'était une bonne base pour reprendre. Bon endroit qui avait un moyen de monter, bah voilà. Ils ont fait des petits points d'accès. Nickel. Et on se souvient que notre frère y était aussi. Ouais. Tout là-haut. Allons-y. Oh la vache. Du coup, je pense que ça y est, là, on va le déglinguer, Typhon. On va lui me faire manger ses morts. Ok, l'ambroisie légèrement plus haut, mais on y arrive aussi. Le coffre, il a l'air d'être... Ah, un peu plus en dessous, bon, on verra bien. Ouah, on est si proche de la tempête, là. Allez, grimpe, Phoenix, grimpe. Allez. Ok. Ok. Phoenix sentit que si elle suivait son frère dans l'abîme de Typhon, elle ne pourrait pas revenir en arrière. Ah bah ça. J'aurais bien voulu choper l'ambroisie. Elle a pas l'air d'être loin. Elle est juste là, voilà. C'est à moi. Seigneur du chaos. Et ça. Ah, ça va être une grosse crypte là dans laquelle on va rentrer. Wow. Ah, mais c'est là pour découvrir la zone. Nickel ça. Reconnaître. Wow. Avec la tête et tout de Typhon. Ascension effectuée, seigneur du chaos. Oh lolo. Où est Ligiron? Là, dans la crypte. Tu l'as vu? Je l'ai pas vu. Ah ouais. Ah ouais, il y a un coffre. Non, je sais quoi, on va dire. Une ambroisie. Ben là, foutu de... Des fouichons de choses. Ah, il n'y a pas l'air d'avoir grand chose dans cette zone. Regarde, je détecte rien. Elle est pas si grande que ça. Porte trois coffres, en fait. Ah, là. Ici, quelque part. Là, tout proche. Le sang, voilà. Ah, là, il y a ça... Du bruit aussi. Ok. Ici. Là. Oh, quand même. C'est juste pas du côté où je me trouve, quoi. Ah oui, l'ambroisie là-haut que j'ai vu au dernier moment. Et là, du coup, qu'est-ce qu'on a découvert de beau? Ok, donc juste deux, trois... Ah, ça paraît d'une énorme zone, hein, franchement. Ça a l'air d'être juste relou d'accès, mais... Après, vu que ça, c'est ton petit point de TP, après tu fais juste un peu le tour et puis c'est bon, quoi. Ça roule. Mon chat qui fait des siennes. Que veut mon chat? De l'attention. Et bah, comme on dit, hein... Allons-y. Point de non-retour. Vous êtes sur le point d'affronter Typhon. Il est impossible de regagner Lictor afin de poursuivre la progression après être entré dans la crypte de Typhon. Oui, d'accord. En fait, ça veut dire que... Oui, enfin, en gros... Ça, une fois qu'on l'a fait, c'est la fin. Et après, on revient en arrière. Et comme si on n'avait pas fini, finalement, le jeu. Un fichier de sauvegarde de... Typhon va être créé pour permettre de recharger ultérieurement cet instant.
Voulez-vous sauvegarder et entrer dans la crypte? Oui. En fait, ouais. En gros, tu rentres dedans, c'est la fin. Et en fait, quand on te fait revenir en arrière à ce moment-là, bah en fait, c'est le moment où tu l'as pas encore battu. Mais du coup, c'est bien, bel et bien la fin. Hop. C'est normal qu'il y ait... La sublime Hera, divine mère, la très sage Athéna, le puissant Poséidon qui fait trembler le sol, la fervente Artémis, dont on dit la visée si juste qu'elle peut transpercer le cœur d'un colibri. Tous des cochons fardés. À moi! Au secours! Quelqu'un! Admire tes dieux! Alors, je ne sais pas si c'était Bucky, mais il y avait. Enfin, je sais pas, genre juste un. Ça y est, enfin des choses. Tu n'es pour rien dans tout cela. Tu es une victime. Où est mon frère? Le menteur? Pourquoi voudrais-je sur le trône de l'Olympe? Je devrais te remercier d'avoir révélé la vérité, petite. Où est-il? À sa place. Pétrifié comme tous les autres. Toi, en revanche, tu n'as pas encore commis d'erreur. Tu as rendu leur essence aux dieux. Tu as éliminé bêtes et monstres. Tu as prouvé ta valeur. Qui sait, tu es peut-être ma championne. Je ne tuerai pas les dieux pour toi. Dommage. Ce doit être au contraire à ta nature. Tu es à moitié. Ceci explique cela. Non. Assez discuté. Il est temps d'accomplir la prophétie. Tu ne sais pas comment manier ton pouvoir, petit idiot. Mince. Oh mais la vache, ça déglingue vite. J'ai mis deux potions en mode ça va passer quoi. On note qu'il peut pas être assommé. La lame de Phoenix, du réseau de Typhon. Yes, bien joué Phoenix. Allez, high five Prométhée. Ou pas, c'est pas grave. Ensemble. Mais je ne t'en tiens pas rancune, car en cela, tu n'as pas failli. Tu mérites de savoir ce que j'ai toujours su. Et dans un dernier souffle, il dévoila la vérité. Hermès! Quoi? Phoenix est une demi-déesse? Mon père? Hermès? Impatiente de parler à Hermès et de voir son frère réhabilité malgré ses méfaits, Phoenix se mit à escalader l'abîme. Si elle rejoignait assez vite la surface, elle pourrait voir chacun reprendre vie. Bon, j'ai perdu mon pari. Belle victoire, Prométhée. Mais il y a quand même deux, trois incohérences, et pas des petites. Pan, lui aussi, est le fils d'Hermès. En effet. Il a des sabots. Phoenix n'a pas de sabots. Tu as raison. Franchement, je ne comprends rien au plan de Typhon avec la potion des Hécides, qu'il n'a même pas utilisée, d'ailleurs.
Et puis dis donc, je te signale que Phénix ne risque pas de voir les mortels reprendre vie. Parce que c'est bien toi qui les a pétrifiés. Voilà. On s'est disputé, toi et moi, à ce sujet. Avant que j'aille à cette fête, aux enfers. Les choses commencent à se mettre en place. Qu'est-ce que tu as fait, Prométhée ? Réponds. Tu n'as pas voulu entendre raison. Alors j'ai fait bouger les choses. Et la tempête qui a frappé le navire de Phénix ? Mon œuvre. Enfin, celle de mon frère Atlas. Attends, comment tu dis que Typhon a été libéré ? Je ne l'ai pas dit, mais c'est aussi l'œuvre d'Atlas. Et cette histoire ? Elle est presque vraie, jusqu'à la fin. Et elle a joué son rôle, te maintenir ici, avec moi. Typhon ne t'a pas volé tes pouvoirs de prophète. Ils n'ont jamais été aussi bons. Et ils surpassent de loin ta mémoire. Je t'ai averti, mais tu as comme d'habitude fait la sourde oreille. Si une nymphe devait être enceinte de tes œuvres... Tétis. Cet enfant, l'aîné de Tétis et de Zeus, marquerait ta fin. Mais Phénix était mortelle. Elle a été blessée. Et non. Ça, je l'ai inventé. Malgré la chaleur extrême, Phénix poursuivit sa tâche et plongea le marteau d'Héphaïstos au cœur du feu. Il n'y a pas un seul mortel capable de manier ce marteau. Allez, c'est fini. Phénix est en cendres. Je suis le seul à pouvoir résister à ces éclairs. Non, c'est pas possible. Le père de ta lignée n'est pas le père des tiens. Aîné de Tétis, père renversé, âme héroïque élevée, il est temps pour toi de rentrer. Hermès n'est pas le père de Phénix. Phénix est ma fille. Zeus, tu as transformé les mortels en statues ? Toi seul ? Oui, c'est moi. Alors Typhon a dit la vérité. Pourquoi ? J'ai façonné à partir du fer le cinquième âge de l'humanité. J'ai donné vie aux hommes. Des générations ont passé, et j'ai vu les souffrances infligées avec insouciance, la cruauté, l'égoïsme décadent, et ça n'a fait qu'empirer. J'ai vu les mortels comme un échec, alors j'y ai mis fin. Je sais que c'était une erreur. Mais qui suis-je pour juger l'imperfection ? Si j'ai appris une chose en te voyant sauver mes enfants, c'est qu'ils étaient imparfaits. Les mortels sont comme les dieux, et en réalité, je suis pire. Vous vous porterez tous mieux sans moi. Oh. Oui ! Il est temps que s'accomplisse la prophétie. Je suis fier de toi. Promets-moi que tu seras un meilleur chef et le plus important, un meilleur parent. Je sais que tu n'es pas parfait, mais tu es mon père. Et c'est cela qui compte. Tu ne vas pas me tuer ? Quoi ? Tu as cru que tu t'en tirerais aussi facilement ? Reconnaître ton erreur n'est que le premier pas. Désormais, pour citer Arès, il t'appartient de faire mieux. Ce qui réclame 5, voire 6 étapes. Je dirais plutôt 12. La vie n'est pas un escalier ni une course de charité. Soit on réussit du premier coup, soit on échoue. Et voilà, il est toujours vivant. Il semblerait que je t'ai surestimé, petite. Il n'y a pas de deuxième chance. Typhon, arrête ! Non !
Waouh. Beaucoup de choses. Alors déjà, la première vague de typhon était hyper simple, on l'a déglingué. La révélation Hermès qui finalement n'est pas la vraie. Et finalement, on retourne dans une autre crypte. Ça ne m'était jamais arrivé. Le poison de l'Olympe nous a renforcés, mes enfants et moi. Phénix, fille de Zeus et de Tétis, tu es peut-être divine, mais nous sommes devenus des tueurs de dieux. Waouh, crypte de Typhon. Alors... Eon ! Quelqu'un m'entend ? Hermès ! Aphrodite ! Quelqu'un ? Finalement, on est la fille de Zeus. Je serais pas cru sans là, mais ok. Mais ok, 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 ça me va. Mince. Allez, viens là. Active celui-ci. Pourquoi il y va pas jusqu'au bout? Ok. Là, fini. Ah mais j'y arrive pas à cause du vent. C'est le vent en fait qui me pousse comme ça, je suis en train de me le dire. Et là... Ah, on est en train de mélanger toutes les mécaniques qu'on avait vu. Hein. Ok. Ah, par contre là je m'envole quoi. Là on mélange toutes les mécaniques. What? Ok. J'arrivais plus à m'arrêter. Voilà. Qu'est-ce que tu voulais me prendre la tête avec ton vieux cul là qui s'envole? T'as cru que t'allais m'arnaquer hein? Ah ouais, même la plante là, du tout début avec Aphrodite. Bon ça c'est hyper simple, on mélange toutes les mécaniques mais de façon simplette. Par contre quand t'as le vent contresens, là je joue. Hein. On est bon là. Fille-moi ça. Donc là finalement le vrai fight face à Typhon. Et du coup j'ai même plus de potions. Quel dégoût. Je les avais tout à l'heure, je les ai déglingués et là je vais pas en avoir. Donc du coup on aura du challenge, écoute. Si y en a, aussi je déglingue à nouveau. Mais du coup effectivement ça explique pourquoi est-ce qu'on arrive à choper les éclairs. À supporter autant de choses quoi finalement. Oula, qu'est-ce que j'ai fait? Allez. Hop. Hop. Aïe. Et ça dégage. Next. Alors, c'est stylé là. Hein, la zone elle est badass de chez badass quoi.
Ok. En fait, c'est lui qui a pétrifié les gens. Oh la vache. J'y crois pas. Qu'est-ce que c'est que ces bêtises? Ça. Pour. Non. Cacher le laser afin de. Bah, pas pousser ça. Pourquoi je peux pas le pousser? Ah, le vent. Et est-ce que ça je peux pousser? Comment je fais pour activer l'autre du coup? Parce que là du coup. Wow, qu'est-ce que tu fais? Parce que du coup il faudrait que je le ramène dans les escaliers et que je fasse passe. Ben non, ça me paraît bizarre. Ah non, je sais, je ne comprends pas. Ok, j'avais pas réfléchi. Là c'est j'ai un truc à prendre. Donc là tu te mets en face et en fait c'est lui qui peut pousser. C'est lui. Voilà. Nickel chrome. Hop, ensuite. On va prendre ce checkpoint. Ce pauvre Héphaïstos, il préfère se teindre les cheveux plutôt que de te secourir. Ça serait stylé s'ils viennent tous à la fin pour... pour nous aider quoi. Hop. Alors attends. Tac. Bon. Ok. Mais là, il y a un truc là. Ah, il vient. Il arrive. Le petit ascenseur. Oui, il est gentil. Bon, ça se fait tout ça. C'est pas si. Tranquille. Tu aurais pu être la plus grande héroïne de tous les temps. Mais tu n'es désormais qu'une erreur. Je te parlais pas d'abord. Ah oui. Ah oui. Alors. Ok. Alors sinon j'ai un autre projet en tête. C'est celui-ci. Ok. C'est pas celui-là du coup. Ah oui, ça va être joyeux ça. Attends. Sinon on va utiliser la technique. Ah, c'est quand même un truc de malade. Euh...
5 minutes. C'est long. Parce que là, il y a un truc. Ah, c'est sûr, il y avait ça pour tout le laser au lieu de me les manger. Et là, j'aimerais regarder un dernier truc. Est-ce qu'il n'y a pas un coffre à choper ici? Non. Mince. Attends, viens là. Ah, mais j'ai vu deux dans ton arc et... Prends la tête hein, quand même. Ok. Bah là, on a un coffre. Mais du coup, le coffre il sert à rien. Puisqu'après, de toute façon, on va revenir en arrière. Je suis en train de dire. Attends, on m'apprend que c'est une veste blague en fait. Je ne peux pas sortir par là. Merci. Nouvelle vague d'ennemis. Bah. J'en ai un d'à côté qui est ouvert mais pas l'autre. Ça m'inquiète ça. Aïe. Alors là, on a activé. Mais ici. Ici, il y a quelque chose. Ici, il y a quelque chose. Ok. En fait, il y a une plateforme qui s'est activée d'un côté où on est allé, donc ici. En fait, de l'autre côté, t'as la même chose. Et vice versa pour l'autre, du coup. Ah, c'est. C'est un mécanisme. Allez. Ah oui d'accord, c'est les premiers... Waouh, qu'est-ce que c'est que ça? Toute traviole ton machin. Mais en fait je pense qu'il y a 4 piliers du coup qui vont descendre. Et là du coup il faut y retourner. Mais c'est aussi pour faire de l'autre côté. Ah mais le vent t'es mort là. Ok. Et là, voilà. Et en fait, t'as un coffre à chaque fois par porte. C'est un peu efficace, c'est pas cher. C'est mon coffre que je peux faire. Le problème, c'est que les coffres, du coup, bah, ils servent à rien. Parce qu'ils sont donnés.
déjà quasiment gratuitement. Et puis du coup, bah si tu reviens en arrière, avant que tu gagnes des stats, tu n'auras pas l'occasion de voir les mortels renaître dans mon paradis parfait. Changer le temps. Ok. Avant de changer le vent, faut changer le cume. De telle sorte à ce qu'il protège. Donc là, le cume en bois. Non, ah il est bloqué. Parce que du coup je pense que l'échappée derrière il faut la virer. Enfin il faut la cacher. Pour faire ça. Il faut bouger le cube en même temps que l'autre. Ah non. Trop vite. Quoi? Ah mais zut, à la noix. Ah mais là du coup il refait la même. Oh mais tire de flèche. Ne gave pas là. Ah ouais, mais c'est hardcore en fait. Parce que là il faut avoir un timing de précision. Ok. J'ai gros d'un mouvement. Et là pour le dernier. Alors attends, parce que là il y a une échappée d'air. Ok, donc en fait il faut l'amener vers l'échappée d'air pour ensuite le faire repartir en dessous. Ça, ça va pas passer ça. Et là, seulement là. Là, il se cale là. Et là, le souci, c'est que l'autre, il va pas être calé. Je voudrais pas que tu tombes. Parce que là tu bloques. Normalement là. En fait, le but du jeu. Yep. Pour que celui-ci vienne. Ah oui, mais du coup. Hein, je suis mignon tout plein moi, mais comment je fais à partir de là? Parce que là, le souci, c'est que lui, à partir du moment où j'enlève ce bloc, il va s'en aller. Et moi, le problème, c'est que le bloc, il faut que je gêne lequel est là. Il y a quoi à côté ? Attends, déjà je récupère le coffre. C'est embêtant ça.
Parce qu'en fait, le problème c'est que là, il faut un truc pour qualité. Parce que lui, si je mets le sens dans un, il se barre. Si je mets le sens dans l'autre, bah lui se barre. Je suis embêté moi. Alors il y a un truc que j'ai pas vu. Ouais, parce que là du coup à partir du moment où j'enlève, bah lui il part hasta luego quoi. Si je mets le sens dans l'autre, alors dans l'autre sens. Ah. Ah bah non. Parce que là en plus je mets le vent dans ce sens là. Pourquoi lui il s'envole pas d'ailleurs? Dans le sens, ils s'envolent pas. Là, j'essaie de me caler au bord, mais j'ai peur. Parce que là, dans tous les cas, en fait, celui-ci va se casser. Tu veux pas pousser là? Ah bah non, il reste en place. Bon bah écoute, il reste en place. Ah mais oui, il est protégé du vent dans la position dans laquelle il est. Mais oui, avec le pilou en pierre. Oh fuck. Putain, je réfléchis à une entourloupe, à un machin, et puis en fait je réfléchis trop. Nice. Et du coup on peut rejoindre l'autre côté là. Pas vraiment. C'est fait de sorte à ce qu'il y ait du poison. Bon, vas-y, on va faire les choses. D'accord. Hop. Ah oui, j'ai pas vu la seconde vague de mob. Excusez-moi. Ok. Allez, ça servait à rien. Allez, ça servait encore à rien. Pourquoi frapper quand on peut taper? Pourquoi couper une tomate au cube quand on peut le faire en carré? Pourquoi taper ses sbires quand on peut le taper lui? J'adore ça. Allez, viens vers moi. Oh là là. Cette violence. Puis les lunettes qui crachent de mes heures. Dès que t'es cru dans Star Wars. Et le deuxième pylône. Allez, on fait de l'autre côté maintenant.
Pas de réelles difficultés jusqu'à présent. Je ne vois même pas de trou qui obstrue pour l'instant. Ah oui, zut. Ok. Très bien. Plutôt simple. Ok. Là, je suppose que ça l'appelle lui, non? Ah non. Oh my bad. Alors, seconde wave. Plus triste spectacle. Très bien. Ah oui. On va l'attendre là. Ou à moins que ce parti là, ouais, retombe ici. Ah oui d'accord. Ah je vois. Il faut. Déplacer. Ça. Et ensuite il va falloir bloquer de l'autre côté, j'ai l'impression. Un truc dans le genre là. Ah non. Je réfléchis, est-ce que du coup il faut le faire monter le boule? J'essaie de comprendre là où il faut l'amener. Ah oui, du coup là elle est bloquée. Même utiliser un pouvoir divin. Et là, à la rigueur, en fait, on peut l'enfermer. Attends, parce que du coup, elle est où cette plante? C'est pas possible de vouloir mourir comme ça. Je réfléchis, je ne comprends pas. Ou comment, qui je dois voler? Au bûcher. Bûchonner. Donc là, elle est enfermée normalement. Bon, il y a des petits espaces. Je vais l'amener ici avec le... Ah ouais. Où il l'a là. Ok, donc la raison de pouvoir faire ça. Ok, je viens de me capter. L'escroquerie. À cet endroit-ci, je te mets les cubes. Pour ensuite. Allez, l'amener là. C'est long hein, la vache. Mais
Nick. Allez. Et même, c'est en bas de vous aussi, je vais mourir. Allez, regagne ton enduit. Fax a pété. Oh la vaste blague. En vrai, là, du coup, je pense que... Ah oui. Ah, mais non, mais là... Alors, en fait, j'avais l'idée en tête de bloquer avec ces cubes-là. En fait, faut carrément aller l'amener là, en fait. J'avais pas vu. On y arrive. C'est vachement, par contre. Ah! Le vent. Le vent. Et là, je libère la bête. Et là, normalement, elle s'envole. 3 milliards hop, 2 mètres plus loin et là voilà, hop, envole-toi. Ensuite elle va ici, pour être finalement propulsé par là. Waouh. Eh bah dis donc. Et là il faut la terminer. Ok. Bon, simple. Mais voilà quoi, c'est... C'est un peu long, mais ça passe. Ok. Hop, on se fait la nouvelle vague. Hop, toi. Non. Aïe. Hop, toi le griffon. Je te martyrise. Sur six générations. Ok, ensuite le dernier, the last. Ouh, ça va être oh, ça va être le jeu des... Ce crétin d'Arès préfère courir derrière Aphrodite plutôt que de te sauver. Et là, bam. Ah ouais. Je pensais que ça allait déglinguer, mais en fait non. Donc en fait il faut vraiment l'amener. Viens là. Donc en fait il faut vraiment que je vise les coins. Je vais te charger la bloc, tu vas rien commenter. Tu vas t'envoler mon pote. Oh merde. Ah ouais. Ah ouais, il a fait des appels de phare tellement il était en panique, le pauvre. Attends, parce que ça m'a saoulé là du coup de... Ah mais ouais, mais attends. Mais attends, si j'exerce une force colossale, il va bien finir par détruire ça, non? Bah ouais. C'est un peu long. Mais
Je pense, j'aurais préféré le jeter de boue, mais bon, ça va aussi. C'est du jeter de cube, quoi. Et là, on réexerce la même pression sur ce qui est déjà un peu abîmé aussi. Tendu, tendu, tendu. Et là... Là, il nous en faut plus qu'un. Hop. Et ici, là, oh lolo. Ça va cogner sévère. Là, il n'y a plus rien. Hop. Et ça dégage. Et ça dégage. Hop. Hop. Et bam. Et ensuite... Ah bah oui, en fait il y a le vent, donc du coup en fait on peut s'envoler ultra facilement. Et là il y a la même chose. Je sais très bien que tu essaies de me faire culpabiliser, mais ça ne marchera pas. Allez. Oh là là. Parfait ça. Je pense qu'il n'y a pas plus. Pas besoin de moi. En fait, il faut taper sur la base. Genre là. Ah, dommage! Hop. Oh, c'est même insolent, tu vois. C'est presque revenu à la base. Ah, oh! Je vais pas gâcher le cube, tiens, je vais lui en remettre une là. Voilà. Ça, si tu me dis que tu vas rien. Allez, hop. Bam! Est-ce que je peux la mettre sur le côté la flèche? Est-ce que c'est un peu relou en fait le vent? Ah puis là, je l'ai mis dans l'autre sens. Hop. Nickel, 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 nickel. Ensuite, nous avons... Ok. Ça c'est loupé, je reconnais. Hein. Ça je reconnais. C'est dans le vide direct. J'ai vu en plus le courant d'air. Et je me suis vu partir à côté. Et j'ai plus d'énergie donc comme ça. Ah oui, il y a le nuage ici qui vient vraiment te mettre un gros nope. En mode si tu vas plus loin, tu meurs. Et ici, hop. Incroyable. Oh là là, oh là là. Qu'est-ce que je m'admire. Ah, et puis on gagne des potions, je n'ai pas vu ça. En fait, depuis le début, tout ça. Ah ouais, mais les potions qui sont filées, attends, mais mec, ça va être abusé là. Pauvre typhon. Mais je peux lui fusiller sa race. Toi, tu me saoules. J'imagine même pas que. Oh non. Terrible. Terrible, je me suis parti avec lui. J'ai voulu le faire tomber dans le vide et il m'a emmené avec. Arr. Oh quoi? Qu'est-ce que t'as fait? Bon bah au moins on n'en parle plus. Ah
Ça m'énerve ça, c'est quand j'oublie de faire un clic molette, ça marche pas. Eh bien écoutez, nous sommes quasiment à une heure de vidéo, on va s'arrêter ici. J'espère que vous appréciez ce 48ème épisode, assez intense, assez intéressant. Finalement la fin du jeu, bien plus longue que ce que je pensais, heureusement. J'ai vraiment peur quand j'ai vu le typhon partir en poussière là. Mais finalement, le fight est là où il nous attend. Et bien on reprendra ici à l'épisode suivant. Mettez un j'aime, un commentaire, n'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas. Et puis, moi je vous dis ciao ciao.